Vous avez plus qu'à y aller avec chez Madame Chef, commerce, le café du commerce dans notre copain Guy, vous pouvez le restaurer, à la citronnelle, à l'Edenvest, vous restaurez l'Edenvest à la Citico, je vous le dis également, c'est extraordinaire. On est bien sûr à la crêperie aujourd'hui, et un repas spécial marché. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean au Musette, mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chiquée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux. Allons prendre toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle aimait. Je voudrais excuser Jean-Marie Morisset, sénateur, qui devait être là, mais qui est encore sur Poitiers. Tout à l'heure, j'ai vu la présence de notre député Geneviève Gaillard, qui est derrière moi, qui a fait un très bel achat d'ailleurs. René Borouel, conseiller départemental, et Marie-Pierre Missou, qui représente M. Favreau. Jean-Pierre, président de la Comcom et des maires du canton. Et aussi, j'ai vu nos voisins de Niort, Mme Arbotin. Merci de votre présence. Alors, 10 ans, ça se fête, alors c'est aujourd'hui. Et si ces marchés existent encore aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce aussi aux commerçants et commerçants qui sont représentés par Martine Chrétien, et par Olivier Moron, avec des gens qui travaillent mais qu'on ne voit jamais, Béranger, toujours présent. Je voulais vous dire aussi que aujourd'hui le château est ouvert avec une très belle visite sur la Renaissance. Visite gratuite, je vous conseille d'y aller. Et à côté de vous, la maison des ados, vous avez en ce moment une fresque qui est réalisée par les ados. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car on croit toujours. Donc, une élue s'occupe de ce sujet, c'est Mathilde. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Par contre, je conseille d'aller regarder cette fresque qui est en cours de réalisation avec un artiste peintre, Alain Simonet, qui approche là, qui va nous rejoindre et qui réalise cette fresque avec les ados. Donc, vous pourrez voir leur sujet de préoccupation qui va de Marilyn Monroe jusqu'à Kev Adams. Alors, approchez. Alors, les artistes qui arrivent là, vous pouvez les applaudir. Ah oui, oui, oui. Pierre, Chloé et Alain Simonet, voilà l'artiste peintre, vous voyez, ça se remarque, la tenue adéquate. Bonjour à tous. Donc, en tant que représentante de l'Association des commerçants sédentaires, je vous souhaite donc la bienvenue au 10e marché en fête. Donc, je tiens à remercier particulièrement l'équipe des commerçants qui a préparé cette journée, la municipalité pour son soutien, les employés municipaux qui nous facilitent énormément la tâche dans l'organisation de cette journée, ainsi qu'Olivier Moron qui représente les commerçants non sédentaires. Coulonges est très attaché au marché des mardis et samedis, donc c'est très important pour nous la réussite de cette journée, 10e marché en fête. Donc merci encore à tous. Et à bientôt, à l'année prochaine, donc pour la 11e. Pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est pas parce que c'est gratuit, ça se saurait, c'est surtout parce que vous montrez tout l'intérêt que vous avez pour cette manifestation, et on y tient tout simplement parce que Coulonges-sur-l'Authis fait partie des patelins dans les Deux-Sèvres qui vivent. C'est vrai qu'à Coulonges-sur-l'Authis, ça vit beaucoup.
Et je vois des têtes ce matin à mon stand, je vois des gens comme vous, vous venez tous les ans, régulièrement, vous étiez là au mois de juillet, vous êtes là au mois d'août. Donc monsieur le maire avec les conseillers municipaux donc, vont vous offrir ce pot, madame la députée. Je voudrais juste en un petit mot vous souhaiter de passer une excellente journée, un marché en fait bon, et puis beaucoup évidemment d'amusement, de divertissement, d'achat aussi pour les commerçants. Je voudrais remercier les commerçants non sédentaires et sédentaires qui animent cette journée aujourd'hui et évidemment féliciter la municipalité et le maire de Coulonges pour eh bien, cette dynamique qu'il a su créer et ses prédécesseurs aussi bien entendu dans cette commune qui n'a rien à envier à d'autres communes plus grandes ou plus petites. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Alors bon apéritif à tous et bonne soirée. Merci à tous. Sans volonté, sous ses baisers.